Bonjour à tous, nous sommes à Ducos. Située à l'intérieur des terres, Ducos est limitrophe des communes du Lamentin, du François, de Saint-Esprit et de Rivière-Salée. Elle compte près de 26 quartiers, dont l'un d'entre eux, Petit Canal, dispose d'un accès à la mer. Si vous souhaitez rénover votre bien immobilier, quelques astuces dans votre dossier. Rénover sa maison, c'est toujours un grand projet. Que cela concerne une ou deux pièces ou l'ensemble de la maison, armez-vous d'une forte motivation, du temps et de l'énergie. Avant toute chose, déterminez vos besoins. Quelles sont les raisons qui vous poussent à rénover votre maison ? Est-ce un besoin de confort supplémentaire ou une nécessité de mise aux normes ? À la lueur de ces questions, établissez un cahier des charges dans lequel vous allez reprendre vos différents besoins. Et attention, ne négligez rien, le plus petit oubli peut vite alourdir la facture. Un point qu'on a tendance parfois à négliger et il faut vraiment faire attention, c'est celui de la fosse septique. Remettre en état un réseau d'assainissement individuel peut être très onéreux et donc c'est un point à ne pas négliger, surtout si on a très peu de surface, etc. Il faudra opter pour une solution compacte et si ce n'est pas prévu dès les départ sur le budget, ça peut être un surcoût qui peut aller de 8 000 à 10 000 euros. Quand on s'attaque aux travaux, mieux vaut le faire dans les règles de l'art. Si vous refaites à l'identique, pas de déclaration officielle. Mais n'hésitez surtout pas à faire appel à un professionnel, comme un architecte par exemple. Si vous souhaitez modifier la structure de votre bâti, là, vous devrez passer au préalable à la mairie. Et si vous êtes dans une zone classée, l'agrément des monuments historiques est nécessaire. Se faire aider à ce moment-là aussi, peut-être par un architecte, à travers une visite conseil, qui peut nous aider à faire un choix, je veux dire n'importe quoi. Si on a un budget de 250 000 euros et qu'on pense finalement, je veux refaire la cuisine, un peu de carrelage, etc. Et on dispose d'un budget de 30 000 et qu'après la visite, on se rend compte qu'il y a des points faibles, peut-être ne vaut-il pas mieux abandonner ce choix, même si c'était un coup de cœur. Le secteur de la rénovation est en plein essor en Martinique. Avec la raréfaction des terrains constructibles et surtout le coût des matières premières, acheter de l'ancien pour rénover peut s'avérer être un très bon plan. Tout est possible. Alors, par exemple, vous pouvez acheter un commerce, le transformer en maison. Ça nécessite par contre l'appel à un architecte puisqu'il y a une modification de la destination. Vous pouvez avoir un cube au départ et puis faire une extension verticale ou horizontale en continuité du bâtiment existant. Oui, il y a des contraintes, mais parfois on arrive à des résultats très intéressants qu'on n'aurait pas forcément dans le neuf et des ambiances particulières. Je ne sais pas, moi, la cuisine peut être transformée en chambre et puis une chambre en salle de bain et redisposer les pièces autrement et vraiment avoir quelque chose d'intéressant et un lieu agréable à vivre. C'est fini pour notre dossier. Demain, plus d'infos sur le sol souple. Solution alternative lors d'une rénovation. Si vous êtes curieux, rendez-vous dans votre rubrique InfoCaille. En attendant, prends soin des caillots.